Bonjour tout le monde, bienvenue à ce pep talk sur la route aujourd'hui, sur la route à vélo, en format un peu différente aussi parce qu'on interview aujourd'hui Guy Bourgeois au lieu que ce soit toi qui interviewe les conférenciers. Bonjour, bonjour Marilyn. C'est vrai, ça fait drôle, d'habitude je suis au bord. Ouais, c'est ça. Ben écoute, en fait, on va y aller simplement. Tu poses toujours des questions appropriées par rapport à nos conférenciers. C'est toi que ça fait le plus longtemps qu'il en fait dans la gang. Ça fait 26 ans que tu fais ça. Ouais. Comment est-ce que tu trouves encore, la motivation de le faire à tous les jours? Tu en fais plus de 200 par année, environ 200 par année. C'est vrai, oui. Puis comment tu continues à avoir des choses à dire aux gens dans la salle? Bonne question. Ben la motivation, je dirais que c'est assez simple. Je trouve toujours que je suis imparfait. Donc, je trouve m'améliorer, être meilleur que la fois d'avant. Être le meilleur conférencier que le client a reçu pour que ça fasse un youpi ou un wow ou un bravo. Fait que, donc, selon moi, quand on vise à s'améliorer, ben, la motivation est facile à garder. Ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas des baisses d'énergie et des journées plus down que d'autres. Ça peut arriver, mais c'est vraiment une question d'énergie physique parce que l'énergie mentale, elle est toujours là. Puis me renouveler, ben, l'étude. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de vidéos YouTube, j'observe, puis comme je parle peut-être à 125-130 compagnies différentes par année, parce que les 170-200, ouais. Des fois il y en a 2-3 chez le même client, là. Ben j'observe beaucoup, je regarde les autres gestionnaires, je regarde les autres leaders. Là-dedans, il y en a des très bons, il y en a des un petit peu moins bons, ce qui me permet un petit peu de voir la différence entre les deux. Parce qu'il n'y a pas de secret, hein? Il faut être compétent dans ce qu'on fait. Puis une organisation qui a du succès, peu importe le domaine dans lequel elle est, c'est parce que c'est pas de la magie, c'est que les gestionnaires ont su bâtir un esprit d'équipe et un plan d'action et un plan stratégique avec une orientation claire, avec une attitude, hein, on pourrait parler de ça à certaines équipes de hockey, une attitude qui les amène à aller plus loin. Puis ceux qui vont moins loin, ben ils n'ont pas ça, simplement. Fait que donc, j'observe, j'écoute, je lis, j'étudie, puis motivation, ben je veux toujours être meilleur. On va te souhaiter de continuer à en faire encore longtemps. Ben 25 ans minimum, comme dit Yann Tremblay. Il reste encore du temps. Ben merci. Bonne journée. On va aller poursuivre la route. Oui. Il reste encore 10-15 km à faire. 10-15 km à faire, effectivement. Merci, Marilyn. Bye tout le monde.